Avez-vous besoin d'un carquois ou d'une besace? Désolé, ce n'est pas suffisant. Je vous laisse. J'ai hâte d'avoir vent de toutes vos victoires à venir. Avez-vous vu les oiseaux, Seigneur Sakai? Quel genre d'oiseaux cherchez-vous? Les oiseaux dorés. Leur chant me rappelle des temps plus paisibles. Ah. C'est ceux que ma mère préférait. Elle disait qu'ils connaissaient notre île mieux qu'aucune autre créature. J'en suis convaincu moi aussi, Monseigneur. J'en suivrais un si ce n'était pas aussi dangereux. Pour voir où m'emmène l'oiseau doré. C'est peut-être ce que je vais faire. Mais vous devriez attendre que la paix revienne sur l'île. Comptez sur moi, Seigneur Sakai. Merci. Puis-je examiner votre arc, Monseigneur? Je peux m'assurer que votre arc est en parfait état de fonctionnement. Quoi que vous puissiez faire, je vous remercie. C'est un honneur, Monseigneur. Apportez-moi les matériaux dont j'ai besoin et je m'occuperai du reste. Vos flèches frapperont leurs cibles, telles des faucons. Vous ne disposez pas des matériaux requis. Je suis navrée. Que les camis guident vos flèches.
Bien, Nobu. Les secrets de l'île comme celui-ci. Je me demande où il va. Ma sœur dit d'avoir vu un samouraï se battre près d'ici. Peut-être que les esprits de ceux qui sont morts me protègent. Je ne vois pas d'autre explication. Hein? Monseigneur, j'ai vu un Mongol porter la bannière du clan Shimura. J'ai craint le pire. Il les lance ? Monseigneur, vous comptez rejoindre les autres ? Comment ça ? On raconte qu'un petit groupe de résistants se rassemblent dans la préfecture d'Azamo. Il y a donc d'autres personnes qui résistent aux Mongols ? C'est courageux, mais dangereux s'ils ne sont pas entraînés. J'irai à leur rencontre. Oh.
garde! Allons-y, Nobu. Le domaine du clan Adachi. Dame Masako devrait y être. Dame Masako, guerrier du clan Adachi, y a-t-il quelqu'un ici ? Quelqu'un est entré de force. Que s'est-il passé ? Un Naginata. L'arme des femmes du clan Adachi. Quelqu'un a voulu défendre sa famille. Ils essayaient de s'enfuir. Les enfants sont passés par la fenêtre. Du désordre, mais aucun signe de violence. Tuez-le ! Où est Dame Masako ? Dites-moi où elle est ! Qui étaient ces hommes ? Ni des Mongols, ni des bandits. Je dois découvrir ce qui s'est passé. Si quelqu'un a survécu, il aura pris la fuite à cheval. Allons voir les écuries. Les écuries sont vides. Quelqu'un a pris les chevaux. Les traces d'un cheval. Quelqu'un a fui le domaine et laissé une piste. Des empreintes. Le cheval était suivi. Des archers traquaient le cheval. Le cavalier était doué. Il a su déjouer les tirs.
Un cheval mort. Ce cheval appartenait au clan Adachi. Mort depuis longtemps. Dame Masako, c'est moi. Jin Sakai. Je croyais qu'aucun samouraï n'avait survécu à Komoda. Et mon époux. Le seigneur Adachi est mort en guerrier, en défendant notre terre. Notre terre. Que fais-tu ici ? Le Khan mongol a capturé le seigneur Shimura. Si votre clan se joint à moi, nous sauverons mon oncle et vengerons vos hommes. Le clan Adachi est mort. Massacré par nos propres hommes. Traître. Pourquoi se retourner contre ses protecteurs ? Je compte le découvrir. Je vous accompagne. Non. Ne néglige pas tes responsabilités au profit des miennes. Je suis responsable de la famille d'un samouraï. Je sais ce que c'est d'être l'unique survivant d'un clan. Je refuse d'avoir ta mort sur la conscience. Je ne mourrai pas. Chevauche avec moi. J'ai livré combat sur votre domaine. Ils avaient l'intention de finir ce qu'ils ont commencé. La nuit où mon époux et mes fils sont partis affronter les Mongols. Les assassins nous ont assaillis. Ma sœur a fui avec les enfants. Je suis restée pour combattre notre ennemi avec les épouses de mes fils. Ils étaient bien trop nombreux. À la fin, il ne restait plus que moi. Komoda s'est terminé ainsi pour moi. Mais pour moi, ce n'était pas terminé.
Je les ai enterrés ici, avec le reste de ma famille. J'ai tenté de les sauver, mais les assassins les ont rattrapés en chemin et les ont tués. Ma sœur, mes petits-enfants, même la petite Natsu, elle venait tout juste de naître. Tout ce que je pouvais faire, c'était l'enterrer auprès de sa mère. Cela n'aurait jamais dû se produire. Ma sœur aurait dû être enterrée avec son époux. Dans le nord. Mais au moins, elle est avec les siens. Viens. Chevauchons vers le temple d'or. C'est dur de traverser ça toute seule. Je ne suis pas seule. Les tueurs sont encore en vie. Ils paieront pour ces atrocités. Tant que ces assassins seront libres, je vivrai dans la honte. Vous ne devez pas vous en vouloir. Mais il est de mon devoir de venger cet acte odieux. Tu vas devoir y entrer sans moi. Trouve le moine du nom de Sōgen et parle-lui du sort du clan Adachi. Quel est votre plan, Dame Masako? Fais-le pour une veuve en deuil. Quand tu auras parlé à Sōgen, trouve l'armurière.
Elle répare quelque chose pour moi. Je veux qu'elle te le donne. Je le ferai. Merci. Je t'attendrai de l'autre côté du temple. Seigneur Sakai, c'est un honneur. Êtes-vous le chef du temple ? Je ne suis qu'un humble serviteur, monseigneur. Je vous en prie, appelez-moi Junshin. J'ai fait de ce temple un havre pour notre peuple. Je le ferai savoir. S'ils ne peuvent venir jusqu'ici, il y a aussi des camps autour d'Ariake. J'y envoie autant de vivres que possible. Merci de m'en informer. Je recherche un de vos frères. Un moine dénommé Sogen. Je crois qu'il nettoie la terrasse du temple. Je vous remercie, Junshin. Poursuivez vos efforts. Oui, c'est triste. Surtout, c'est terriblement cruel. Avant l'invasion, je visitais ce sanctuaire chaque nuit. Êtes-vous Sogen ? C'est moi. Je suis Sakai. Un samouraï. Vivant. Je porte un message de Dame Masako. Le clan Adachi a subi une attaque. Elle est la seule survivante. Les Mongols. Des traîtres. Nos propres hommes. C'est vraiment terrible. Des individus suspects sont-ils passés par ici ? Un groupe d'hommes armés ? Je n'ai rien vu, mais... Mes fonctions ne me laissent aucun répit. Dites à Dame Masako qu'elle pourra toujours trouver refuge ici. Merci de m'avoir écouté. Je vous en prie. Je dois trouver l'armurière. Pourquoi vous faites ça ? Seigneur Sakai ! Ça ? Vous étiez au service du seigneur Nagao. C'était un homme bon. Je suis navré qu'il nous ait quittés. Je suis flatté que vous vous souveniez d'un humble serviteur. Un bon nombre d'entre nous ici vous doivent la vie. La bataille pour Tsushima ne fait que commencer. C'est pourquoi nous voulons vous aider, monseigneur. Chacun a donné ce qu'il pouvait et... Je vous en prie, veuillez accepter ceci. Je vous remercie, Gonjiro. Vous et tous ceux qui ont participé. Nous continuerons à donner ce que nous pouvons, ici et ailleurs, au gré de vos victoires. Puissent tous les Kami vous protéger. À la fièvre. Monseigneur. Vous aussi, vous cherchez à apprendre la frappe céleste de Shigenori. Cette technique n'est qu'un mythe. À en croire le musicien Yamato, elle est bien réelle. Je ne suis pas surpris. On parle souvent de ces histoires avec enthousiasme. Il m'a raconté celle-ci près de la forge de Komatsu. Si cette technique est aussi puissante que l'histoire le prétend, j'espère que vous n'y serez jamais confronté au combat. Bonjour, Monseigneur. J'étais en train de repenser aux paroles de mon ancien maître Saigyo. Qui veut purifier son esprit doit d'abord purifier son corps. Saigyo était un homme sage, qui sur la fin a passé trop de temps à chanter dans les sources chaudes. Mais reconnaissez qu'il disait vrai. Des eaux revigorantes, une vapeur purifiante, l'ombre d'un érable rouge. Rien de tel qu'un bain dans une source chaude pour fortifier l'esprit avant un combat. Vous avez sûrement raison. C'est tout ce dont j'ai besoin.
Permettez-moi d'améliorer votre armure. C'est Dame Masako qui m'envoie. Elle m'a dit que vous répariez quelque chose pour moi. L'armure, c'est une des plus belles pièces sur lesquelles il m'ait été donné de travailler. Je vais la chercher. Elle vous va parfaitement, monseigneur. La qualité est incomparable. Elle ne vous fera pas défaut. Si jamais quelque chose n'est pas à votre goût, je peux y apporter des changements. Il me faut simplement les bons matériaux. Merci. Soyez fort et stable comme le Mukubara. Permettez-moi de bien aiguiser votre katana. Le katana du clan Sakai. Quelle arme magnifique! Vous l'avez tout de suite reconnu? À mes yeux, chaque lame est unique. Aussi reconnaissable qu'une personne. Seigneur Sakai, apportez-moi les matériaux nécessaires et ce sera un honneur d'améliorer un travail aussi exquis. Équilibré, aiguisé et mortel. Pardonnez-moi, vous n'avez pas ce qu'il nous faut pour effectuer le travail. À une prochaine fois. Que votre lame vous porte chance. Améliorer votre arc? Monseigneur, vous êtes là. Tu as l'armure. Elle me va bien. Elle appartenait à mon aîné, Shige Sato. C'est un honneur. J'ai parlé au moine. Que t'a dit Sogen? Il vous offre refuge au sein du temple. Les meurtriers de ma famille sauront ainsi où me trouver. Nous devrions partir.